Salut YouTube et bienvenue sur une nouvelle découverte d'horreur. Et aujourd'hui un jeu très court qui s'appelle Replay. J'ai dû décaler le chat, il prend trop de place ce chat fougueux. Si jamais toi aussi tu veux en faire partie, t'as le lien pour le rejoindre évidemment dans la description. Un jeu qui m'a été chaudement recommandé pour dire ça poliment. Ça dure que 10 minutes mais bon si on me l'a recommandé c'est qu'il doit être sympa. Donc écoute on va tester ça. Le lien du jeu est aussi dans la description. Le jeu est gratuit. Donc fais-toi plaisir. On est parti, mesdames et messieurs, pour la découverte de Replay. Let's go, baby. Level start. Alors, attendez, je fais quoi, là? Ah, ok, je suis un gamin. Je suis un gamin qui joue dans sa chambre. Oh, putain, je sens que ça va faire peur. Ok, j'ai des snacks. Ok, je peux pas zoomer. Oh, c'est trop cool! J'appuie sur l'espace. Oh, c'est trop bien fait! Ok. Alors, à mon avis, papa et maman sont pas au courant. Ils sont pas au... Oh, comme ils marchent, c'est bizarre. Attends. Ok. Maman et papa sont pas au courant que je joue, à mon avis. Mais non, mais je veux sauter, là! Je veux pas ouvrir la porte! Voilà. Il va se passer des trucs, non? Vous êtes qui, vous? Salut! Ok. Ah, c'est un checkpoint, peut-être. Ok. Ce jeu cartonne en ce moment sur Itch.io. 6 étoiles, bah ouais, c'est bon. Level start, ok. Bonjour madame! Ok. Tout va bien. Ok, je peux pas aller par là. C'est un bug de la matrice, ne vous inquiétez pas. Ah! En vrai, le jeu est cool. Moi, j'aime bien. Putain, c'est du pixel perfect. Ok. Je suis sûr qu'il y a des... Oh! Si vous claquez votre lit, ça fait des trucs dans le jeu. Ça y était, ça, tout à l'heure? Merci beaucoup pour le claquage. YouTube, t'as le lien en description. Wouah, c'est ouf. Attends, le toit... Hey, salut! On est un tueur. Ok. C'est bizarre la caméra qui bouge comme ça. J'ai entendu un truc. Il va y avoir un truc sous le lit, c'est sûr. What the fuck? Ok. Ok, j'ai toutes les pièces. Ok, merci beaucoup Keybonaut, merci énormément. Salut Daniel. Alors. À mon avis, on joue un serial killer. La façon dont on avance là, c'est bizarre. Ah, les maisons sont reliées comme ça, ok. Ok. Mom. Ah mais il y a une pièce, je peux pas y aller. Il me la faut cette pièce.
Donc il y avait la lampe qui clignotait, mais j'ai pas vu s'il y avait quelque chose. Un tuyau? Je peux rien faire avec. Il doit me manquer une pièce, non? Ah, c'est la maison. Que j'ai été TP dans la maison où je pouvais pas aller. Ok, là il y a une porte. Je vais y aller ou je sors? J'y vais. Oh, c'est en train de nous raconter l'histoire du. Il y a du sang par terre. Ok, ça c'est moi. Ok. Je baisse un peu le son, c'est un peu fort, excusez-moi. Elle, je peux pas rentrer. Oh putain, il y a du sang. J'avais pas vu sur la télé. Ok. Moi, je vous dis, je joue un psychopathe, c'est sûr. Quelqu'un qui a été bully à l'école. Il y a juste du sang un peu partout. Je peux plus sauter. Putain. Et merde. Tout le monde est mort. Dès que je marche, il y a le bruit de pas sur la gauche. Comment tu vas, Ali? Ok, tu vas bien? Putain, c'était incroyable. Ah oui, c'était sûr, mais c'est cool. Ça reste cool, tu vois. C'était court mais intense, hein. C'était court mais intense. Hein. Waouh, c'était replay YouTube. C'était assez court. Si jamais on est en soirée que des jeux gratuits ce soir sur Twitch. Donc si jamais il y en a d'autres qui sont de cette bonne de qualité comme ça et qui sont assez courts, je te ferai une compile au pire. Mais waouh, excellent. Franchement, excellent comme petit jeu et en plus gratos. Dommage que ça soit aussi court quoi. Des bisous YouTube. On est parti sur un petit jeu gratuit. Dans cette compilation de jeux gratos, tu auras les liens dans la description. Qui s'appelle Go To Bed. C'est un jeu qui cartonne en ce moment sur Itch.io. Tu sais, Itch.io, ils font toujours des classements des meilleurs jeux d'horreur. En tout cas, des jeux d'horreur les plus fun et tendance du moment. Et aujourd'hui, Go To Bed, le chat est chaud, le beat est bon. C'est un jeu gratuit, comme je te l'ai dit, où tu dois aller au lit. Je n'en sais pas plus. Eh ben, écoute, on va tester ça tout de suite. Let's go, baby. Situation 1, sujet A. Ok, je connais pas du tout le lore. Go To Bed.
Très bien. Alors ça, je sais faire. Ok. Monter un peu le son. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais... qu'est-ce que je fais? Je vais go to bed ou pas? Est-ce qu'on peut éteindre les lumières? On peut pas éteindre. Okay. Je visite, hein, vite fait. La cuisine. La télé. Ok, j'ai mis un cadenas. Je sais pas pourquoi. Fermer la fenêtre. Ah, ok, c'est une sorte de jeu. Ok, je vois un peu le délire. Appuie sur E pour armer la sécurité. Ouais, mais non, mais c'est le début, c'est le début. On va juste se coucher, voilà. Il va sûrement se passer un truc. Did you lock the front door? Yes. Oh putain, je savais que le colis Amazon, il allait me l'emmener à 22h, cet enfoiré. Did you close the window? Oui. Non. Ah. Ok. Ben, on va réessayer. Ouais. Ah. Alors, j'aime bien comment le mec reste dans son lit en mode, ouais, il y a quelqu'un chez moi, je reste dans mon lit, peinard. Je suis caché sous ma couette, s'il me voit pas, si je le vois pas, il me voit pas. Ok, donc c'est un jeu où tu dois tout... Ok. Donc c'est un die and retry quelque part. Ok. Ok, qu'est-ce qui pourrait... Bah c'est tout en vrai. J'ai mis l'alarme. Bah écoute, on va se coucher. Ah attends, il faut éteindre les lumières peut-être? Non. Spoiler pas de chat. Hein. Je ferme la porte. Bah on est bon je crois. Vas-y. On va essayer. Deuxième essai. 100% die and retry. Mais ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Did you frotte de langue d'or? Oui. Est-ce que tu as fermé la porte? C'est vrai que je vous traduis pas, mais l'anglais n'est pas très complexe. Est-ce que vous avez fermé la fenêtre? Oui. Que vous avez mis la sécurité, l'alarme, mais bien sûr. J'aime trop, le mec est dans son plumard, il bouge pas. Est-ce que vous avez caché les couteaux? Ah non. Ah merde, fallait cacher les couteaux. Non mais je... Et du coup il va me mettre un coup de chlasse. Ok. Ok, let's go. Ah, ça va durer de plombes. Oh putain. Attention, tous ceux qui spoil, ça prend des timers. Hein. Merci. Ouais. Et merci pour le claquage de Oli. YouTube, tu peux claquer. Hein. T'as le lien dans la description. Tu veux faire partie des claqueurs. Alors, on ferme la fenêtre. On met l'alarme. C'est rigolo comme jeu. On cache les couteaux. Bah putain, heureusement qu'on n'est pas obligé de faire ça à chaque fois. Chez nous quand même. Hein. On cache les couteaux, je sais pas où, mais... Ok. Je vérifie. Qu'est-ce qu'il pourra avoir d'autre? Cacher mon linge sale, tu veux... Ça me rappelle une affaire que j'ai lue dans les... sur Internet où il y avait une fenêtre au-dessus d'une cuisine, il y avait des couteaux. Et il y a un cambrioleur qui est passé par la fenêtre et en fait qui s'est coupé gravement parce qu'il a atterri sur un couteau en voulant cambrioler quelqu'un. Il a porté plainte et il a eu des dommages et intérêts et tout. Oh, les États-Unis quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors. Oui, j'ai fermé. Ça aurait été pareil en France. J'en ai un peu peur, mais... Oui, close the window. Fais exprès? Ah, tu te coupes pas en faisant exprès. Merci Dino pour le prime. Oui. Après les couteaux, je me demande...
Est-ce que vous avez bien fermé le robinet ou... Oui, j'ai caché les couteaux. On a gagné. Ok. Well done. Prochaine situation. Ok. Bah écoutez, c'est sympa. Continue. Situation 2, CGB. Ok. Bon, tu vas croque-mou. Alors, go to bed. C'est fun, moi j'aime bien. Alors, on va essayer de one shot. On va essayer une one shot. Alors, on va essayer une one shot. Donc là, on ferme la fenêtre. Bah, je me dis, il y a un moment, le jeu, il va nous baiser, mais... Ok, il y a... C'est une cave, ça, non? Mais je peux rien faire. Ok. Attendez, l'alarme. La porte. Il n'y a rien. On va essayer de pré-shot un peu tout ce qu'on peut faire. Les couteaux. Ok. Alors j'imagine que le dev s'imagine qu'on va essayer de tout pré-shot. Et donc il va sûrement mettre une connerie ou un truc caché, tu vois. Alors il y a la cave, mais j'avais pas d'interaction pour la fermer ou quoi que ce soit. Je peux pas me baisser, on est d'accord. Non, je peux pas me baisser. Là, il n'y a rien. On dirait une cave. J'arrive pas à savoir si c'est une palette ou si c'est une trappe, tu vois, pour une cave. Écoute, j'ai pas d'interaction. De toute façon, on n'y arrive jamais du premier coup. Au niveau de la télé, il n'y a rien. Le frigo, il n'y a rien. Ok. Bah écoute, on va essayer. Ok, là, il n'y a rien. Les bouteilles. En vrai, le mec, il a pas besoin de couteau, il prend les bouteilles. Hein. Salut Stifler. Oui. Oui. Ah, c'est tout? Ah, donc celle-là, elle te faisait juste douter de toi. Ah non, non, moi, je suis sûr. Vous savez, moi, je fais pas partie des gens en mode... Ah merde, est-ce que j'ai... Oh, je suis où? Ok. Ah, est-ce que j'ai fermé la porte d'entrée? Non, moi, quand je ferme la porte, tu vois, j'en suis sûr. Ah, parce que je sais qu'il y a plein de gens comme ça en mode « Ah, putain, je suis pas sûr, mais je suis parti de chez moi il y a une minute, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me fais confiance? Ou est-ce que je retourne en arrière pour vérifier que j'ai bien fermé la porte ?» La patronne, elle est comme ça. Ok. Ok, je suis retenu prisonnier. Bon, je suis peut-être pas retenu prisonnier, mais... Ok. Ah si, peut-être. On a pas de lampe torche. I need to leave now. Attends, c'est quoi ce jeu? Préparez-vous, il va y avoir un gros jumpscare, je pense. Locked. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est pas mal. Oh putain! Ok, il y a un mec tout nu mort. Oh, quelque chose me dit que je devrais rester au lit. Il y a la clé. Ça pue. Il y a plus le mec mort. Putain, je suis dans l'appart. Il faut que je trouve une sortie, c'était marqué. Okay. Check the window. C'est fermé. Peut-être que je dois... Ah, et du coup, tu dois t'échapper. Cut the wire with something. Ah, il faut couper avec le couteau. Mais le couteau est où, du coup? Parce qu'il a été caché. Eh ouais.
Ok. Ils ont caché le couteau. Oh, c'est pas mal le twist. Alors attends. Ah mais du coup, ah non, je peux pas aller dans sa chambre. Alors attends, comment je peux couper? Donc c'est fermé, il faut un code. Back downstairs. Ok, il n'y a pas de sortie, faut que je retourne en bas. Mais fuck, casse la vitre et tu sors. L'alarme, c'est pour empêcher les gens de rentrer, pas de sortir. C'est complètement con, le mec est séquestré dans une cave. Si les flics arrivent, ça t'arrange? Pourquoi tu n'es pas au lit? Ah, c'est fini. Ok. Bah, ok. C'était sympa, le petit twist comme quoi, en fait, on joue un mec. En fait, le mec qui nous tue n'est pas un mec qui essaie de rentrer, est un mec plutôt qui essaie de se barrer. C'était pas mal. C'était pas mal, c'était sympa. Ça a bien sa place dans une compilation. Des bisous YouTube. De retour sur des petits jeux gratuits d'horreur qui durent 10-15 minutes. Et aujourd'hui, le dernier jeu de game. De Gemzel, de Gemiziel, enfin tu prononces ça comme tu veux, c'est le mec qui a fait Entity Room, qui était sympa sans plus, et Missing a Hiker, que j'avais énormément kiffé. Évidemment, je te mettrai la vidéo dans les fiches, ou alors je te laisse aller voir sur la chaîne YouTube aujourd'hui. Encore un jeu où on doit faire dodo, un jeu où on est couché dans notre lit, on doit fermer les yeux pendant je ne sais pas combien de temps pour s'endormir, mais dès qu'on ferme les yeux, des choses atroces se passent et viennent potentiellement nous faire peur et nous tuer. Le chat est chaud, le bit est mou, le lien du jeu est dans la description, à côté du lien Twitch pour venir nous voir, évidemment. On est parti, mesdames et messieurs. Let's go, baby. Le jeu est gratos en plus. Ok, nuit numéro 1. Essayez de vous endormir. Appuyez sur E pour ouvrir les yeux. Ah ouais, d'accord. Donc on a un système de batterie. Et dès qu'on ouvre les yeux, la jauge diminue. Ok. Okay. Et j'imagine qu'il y a des trucs qui vont essayer de nous tuer. Il faut qu'on les éclaire avec notre lampe. Ok, je vois le délire, je vois le délire. Ouh, je sais pas si je vais aimer ça. C'est un peu à la FNAF, non? Putain, et la batterie de la lampe part tellement vite. C'est une nouvelle batterie d'iPhone, ça. Stressant. On va enlever le chat. Non, j'ai pas sursauté. Batterie de la lampe part tellement vite. Okay, c'est la nuit numéro 1, je pense que c'est juste pour nous faire flipper. Je crois que c'était dans le jeu. Vas-y, je touche à rien, ça passe. Ça va beaucoup mieux d'un coup. Ok. Et voilà, je vais finir. Non, je déconne, calmez-vous, on va faire la nuit numéro 2. Eh, ça m'a stressé un peu, hein. Ok, nuit numéro 2. Light scare them. Ah, ok, donc il faut les éclairer pour qu'ils s'en aillent, ouais, c'est ça. Ok, on va avancer un petit peu. Quand ça arrive au niveau du L, je vais allumer. Désolé, j'ai pas résisté, j'ai allumé avant.
J'essaie de regarder vite, mais je suis sûr qu'il y en a un dans le placard, un derrière les rideaux. Faut voir à quel point il se rapproche de nous rapidement. Putain! Il est pas encore là. Putain, il se rapproche. Il est pas encore là. J'ai déjà quasiment plus de batterie. En fait, plus on reste les yeux fermés, plus ça accélère la jauge. Putain. Ok. Oh, j'entends un truc sur la gauche. Je vais attendre au niveau du A. J'espère que vous avez un casque. Comment tu veux t'endormir avec cette dinguerie? Ah merde, il y avait quelqu'un à la fenêtre? Non. On va attendre le milieu du S. Ok, personne. Ok, c'est rien, c'est juste le mec qui marche. Normalement, on entend le parquet quand il est là. Là, tu vois? Ok. Ça passe, ça passe. Ouh, ouais, you fall asleep. Salut Bali. Putain. Nuit numéro 3. Il y a beaucoup de pression. Hein. Je laisse le chat ou pas? On va laisser le chat pour celle-là peut-être. Ok. Oh putain, c'est chaud. Je sais pas combien il y a de nuit. Ignore noise. Ignorer les bruits? Attendez, ignorer les bruits? Salut Trinity. Comment ça, ignorer les bruits? Ok, j'ignore. Oh, le décès. Mais comment ça, ignorer les bruits? Oh, putain. Mais où est-ce qu'il a appris à négocier? Fallait pas ignorer. Non, mais attends. En fait, peut-être qu'il fallait ignorer le bruit dans le sens il fallait pas regarder. Et le... Putain, j'en ai mal à la tête tellement il était hardcore. En fait, c'est ça. En fait, s'il y a du bruit, il faut pas regarder. Si tu regardes, tu meurs. C'est ça?
Ah, mais j'ai tout. Putain. Je reviens à YouTube, faut que je respire un peu. Ok. Ignorer les bruits. Donc on va essayer de pas ouvrir les yeux. Ok. Quand il y a du bruit. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Oh, c'est random. En fait, c'était la nuit la plus simple, mais... Ok. J'ai des frissons partout, j'ai froid alors que j'ai le chauffage à fond. Ok, nuit numéro 4. Listen carefully. Ok. Donc, écoutez attentivement. Je vais essayer de pas ouvrir les yeux s'il n'y a pas de bruit. J'ai envie de faire une miniature pour YouTube, mais je vais crever. Mais les bruits de pas. Les bruits de pas, ça fait rien. La barre est tellement longue à monter, ce qu'elle m'a dit. Allez, avance, 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 avance. Celui-là, il est facile. Comment ça? Pourquoi il y en avait un dans le placard? J'ai pas entendu le bruit. Ok. Ok, ça c'est la cuisine, c'est rien. Bah, je crois. Même pas fait la moitié. C'est juste pour vérifier. Ok. Ok, I got you, bitch. C'est quoi ce son? C'est le micro-ondes? Non mais mec, j'ai plus de batterie! Ok.
dès que je l'allume, je perds 1%. Un petit poulet, bien sûr. Wow! On va pas y arriver. Va falloir qu'on recommence. Placard. C'est la mort. J'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie. Bon, bah écoutez, préparez-vous. Va y avoir un jumpscare. Va y avoir un jumpscare, préparez-vous. Ah! Putain, non mais attendez, il est beaucoup trop dur ce niveau. Il est beaucoup trop dur. Ok. Let's go. Ça doit être la dernière nuit, je pense. Merci beaucoup, Dolo. Ok, ok. Il est beaucoup trop dur. J'ai pas compris, des fois le placard, on l'entendait pas par contre. Ok. On attend. Ça a bugué. Ok, j'aurais dû. J'aurais dû continuer, quoi, putain. On aurait pu faire les 1 tiers, je pense. En fait, c'est le début. Le début, il faut faire le plus de barres possible, je pense. C'est quoi ce mec qui boit trop de au lit, il arrive pas à s'endormir. Putain, j'avais cru entendre un bruit. Ok, ok, ok. Là. On est pas mal là. Ok. Allez, 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 allez. Ok. Jusqu'au A, ce serait cool. Ok, c'est l'herbe. L'herbe, ça fait rien. T'entends pas celui de gauche, il te faut un casque. On y arrive celui-là. Salut Rip. Je sais pas ce que c'est ce bruit. C'est gentil Rip. Bon courage. Ok, le son dans l'herbe, ça fait... Là. En fait, lui, c'est juste comme si tu frottais un tissu. Ok, les bruits de pas, ça fait rien. Là. Placard. Mec là. Télé. Mec là. Là. J'ai été obligé de vérifier. Ok, le micro. Là. Allez!
là. Là. Ah, tu pourrais limite jouer IRL. Les yeux fermés. Là. Je t'ai vu, enfin, je t'ai entendu. On est presque, Placard. Télé. Mec. J'avais jamais entendu le bruit de la porte. Encore. Ça passe. Placard. Let's go, let's go. Ok, est-ce qu'il y a une nuit numéro 5? Oh putain, il y a une nuit numéro 5. Ah! Ok, let's go. What? J'essaie de... J'essaie de me concentrer. Je vais faire comme... Je vais faire comme la nuit précédente. Je vais jouer juste au son. Et puis si jamais on se fait avoir, on verra. Oui, Zaz. Comment tu vas, Clip? Ça avait toqué à la vitre, vous avez entendu? Au moment où j'ouvre les yeux. Attends. Ok, donc lui j'ai pas compris comment il fonctionne. Oh putain. Attendez, lui j'ai pas compris comment il fonctionne. Il y avait un bruit, mais... Est-ce que ça veut dire qu'il fallait pas ouvrir les yeux? Parce qu'en fait, il m'a tué au moment où j'ai ouvert les yeux. Donc en fait, il fallait peut-être pas ouvrir les yeux. Attends. Ok, faut faire attention au toquage à la vitre. Ok. Salut Luffy. Donc j'ouvre pas les yeux pour rien. Là. Ok. L'herbe, y a rien. Je pense que c'est ça. Salut Miss. Là. Là, ça a toqué. On a entendu. Pourquoi il est revenu? Là, ça a retoqué. Là, il y a le mec. Là. Ouais, tu vois, toute cette période où il n'y avait rien, je pense que si j'ouvrais les yeux, j'étais mort. Là, ça a toqué. Est-ce qu'il revient du coup? Non, il revient pas. Elle va être compliquée celle-là. Placard.
placard. Télé. Mec. Oh putain, c'est l'herbe. J'ai failli me faire niquer. J'ai plus de batterie. Chut. Là. En fait, faut arriver à dissocier les bruits. Des bruits d'ambiance. Ça a toqué ? J'ai entendu toquer. Placard. Télé. Télé. Putain, c'est l'herbe. Là, placard. Ah, ça va être chaud. Hein. On va recommencer, je pense. Ça, c'est l'herbe. Ok. On va pas y arriver. Hein. Putain, c'est trop dur. Toqué, ça a toqué. Chut. Ah, c'est pas possible, faut qu'on recommence. Pas possible. Attention, jumpscare. Attention, attention les oreilles. Putain, mais chat, calmez-vous, bordel. Ok, heureusement que j'ai baissé le son. Hein. Ok, ok, ok. On va y arriver, on va y arriver, calmez-vous. On va y arriver. Allez, let's go. Des bisous, Jennifer. Allez, dernière essai, c'est la dernière nuit. Putain, dès le début. Chut. Arrêtez, m'obligez pas à couper les alertes. Mais c'est quoi cet RNG qu'on se tape, là ? Okay. Fausse alerte. J'hésite à recommencer, je devrais recommencer, non? C'est pas mal, là. Là, j'ai pas entendu. Fenêtre.
Nice. Fenêtre. Je pense qu'au niveau de la RNG, on n'a pas de chance. Fenêtre. Attendez. C'est pas mal là. C'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Ils sont similaires. Fenêtre. Fenêtre. Ça, c'est l'herbe. Là. Putain. Fenêtre. Putain! On va pas y arriver. Fenêtre. Mec. Il faut pas le haha, il faut pas, ça veut dire qu'il y a le mec devant nous. Non, fenêtre, j'ai pas entendu fenêtre, c'était le mec devant nous. Non, j'ai entendu putain, on va y arriver à YouTube, faut que je me concentre. J'espère que c'est la dernière nuit, hein. On n'a pas eu de chance aussi. N'hésitez pas à dire si vous entendez la fenêtre. Oh, c'était propre là. Oh putain, c'était l'herbe. Thank you.
Comment? Deux en même temps. Come on. Let's go! Oh, let's go, baby! Fou! Oh, il était trop bien ce jeu. Il était chaud, hein, mais il était bien. Il y a quelque chose. Tu peux rajouter. À mon avis, tu peux rajouter des trucs, du gameplay, quelque chose. Mais putain, c'était vraiment pas mal. Hein. Oh, je retenais mon souffle. C'est un truc de ouf. Essaye-le, YouTube. Le lien est dans la description. Il est vraiment cool. Peut-être que le dev fera des mises à jour avec des nuits supplémentaires. Mais il est serré. Hein. Il est serré. Si toi aussi, tu aimes les choses serrées, n'hésite pas évidemment à venir nous voir sur Twitch. J'espère que tu as kiffé cette petite compilation de jeux. Je ne sais pas combien il y en aura à l'intérieur. Mais voilà, ça fait plaisir. Le chat aussi a retenu sa respiration d'ailleurs. Des gros bisous, YouTube.